Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Destroy All Humans 2 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je fais de la mission parce que... Mais j'étais dans la zone. Qu'est-ce qui se passe? About freaking time. Enough pussyfooting around. Me want to make boom boom. Quand tu fais ça, ton affaire, ton véhicule est supposé charger. Et là, il ne charge pas. Je pense que je vais peut-être l'avoir, Esti. Je pense que je l'ai eu, c'ti! Afin que tu aies anéanti la base des Blish, j'aurais presque envie de te serrer dans mes bras. Ridiculous
Le banc, la brute et le furon. Well, eh bien, il était temps. Hey, Pac, as-tu vu la Bouchka blanche? Elle devait me rejoindre ici. Non, pas du tout. À vrai dire, tu ne nous as même pas convenablement présenté. Eh bien, j'essaie de l'impressionner, figure-toi. Ah, détends-toi un peu, il se trouve que j'ai des choses plus urgentes à faire que torpiller les grands projets. J'espérais qu'elle pourrait nous rejoindre. Elle a peut-être... Elle n'a pas été un bon sens. J'en ai marre de ce connard suffisant. Regarde-moi. Je suis tellement beau, je suis tellement intelligent. Je lis la poésie, je fais de la lutte avec les os. Quoi qu'il en soit, tu devrais probablement chercher Natalia. Il ne pourrait même qu'elle ait besoin de toi. Ouais, j'y vais. Bien, Fouin. Quelqu'un a bien dû la voir, Udachi, camarade. What's up, Mark Blakely? Walt Barkley. Barkley. Is inspiration or perhaps opportunity? I am blaming Nostradamus! What am I going to be doing to poor person they are taking to KGB base? Oh, just thinking about it is making my skin crawl! KGB agents were just talking about taking attractive female to a so-called alien base. What is being that? All right, Blisk. This is gonna get messy. And wouldn't you know it, I'm all out of lobster beans. Lénine doit swallower, tu es là, la pire est arrivée, Sergi est infecté. Ah, pour l'amour du ciel, dis-moi que vous avez mis protection, ou alors... Non, c'est pas éducation sexuelle chez les jeunes pionniers. Je ne parle pas de MTS, elle a été infectée par des spores qui s'intéressent. Effet. Pushka, et j'ai bien peur que le pénicilline ne fasse pas l'affaire. Hello, bonjour, Cryptosporidium. Melnikov, désolé de le voir sur le temps particulier, mais au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, on dirait que c'est Keith Moon qui redécore ta petite base. T'as perdu. Quel fafarenade, quelle arrogance. Tu commences à parler comme un vrai Américain. Bientôt, tu porteras un chapeau de cowboy et tu parleras le monosyllabe. C'est ça qu'il dit. La vérité, c'est que cette base ne signifie rien. Cet instant même, nous nous répagnons à lancer une phase finale d'opération sur la risque depuis notre installation. N'est-ce pas ultra secret? Sur la Lune, c'est la réalisation ultime de l'idéal stalinien. Quel dommage qu'aucun de nous ne serait là pour le voir. Adieu, la Pushka Moya. Plutôt, laisse-moi l'arrêter. Arrête, Nikolaf, Pelaf.
Keep your Garde ta commosse, mon petit poupée, tu crois que je vais m'envoler vers la lune sans toi? C'est tabarnak. Crypto, you should be able to kill those nerves on the organic gas line and stop them from pumping gas in the chamber. Hurry, Natalia is running out of air. Why?
Tiens! Bien joué, Crypto! T'as sauvé la princesse, Natalia. Tu devrais sans doute y aller. Tu sais, t'assures qu'elle va bien ou quelque chose comme ça. Vas-y, qu'on en finisse! Ça craint que Milkev soit enfui, mais je ne pouvais pas te laisser, tu sais. Je sais, Crypto, et merci, mais nous devons toujours arrêter Milkev. Il a sûrement fait la moitié du trajet jusqu'à la Lune. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hello, j'ai une secoue, j'accepte le passager. Je me demandais quand tu allais me proposer la question. Ta secoue peut nous amener tous les deux sur la Lune? Plaisant. J'ai fait tellement de modifications sur cet engin qu'il fait absolument tout sauf les finitions. C'est n'importe quoi. C'est bon, la brûlée de Furon est terminée. La Russie tente de s'accaparer la glorieuse alunissage dans la dernière longueur de la course. Les États-Unis peuvent-ils prétendre que l'atterrissage russe était un canular? Une étude rétrospective. Right, opiate of masses. Why not barbiturate of masses? Thank you.
On revient dans quelques secondes. On est sur la lune. L'Odyssée de l'espace, 1969. C'est gentil à toi. Okay, c'est sexy. C'est quoi le plan? Nous devons trouver un moyen d'empêcher la prolification. Nos renseignements indiquent que les spores tirent leur énergie des radiations massives. Nous devons arrêter l'alimentation en radiation pour la ralentir.
radiation. Les radiations, il fallait que ce soit les radiations. Alors, comment s'alimenter en radiation? Le robot lunaire livre des matériaux radioactifs de la mine à la base. Je veux que tu suives les robots jusqu'au site de la mine. C'est tout? Je pensais que ça allait être difficile à tes ordres, bébé. Parapa. Comment ça va, ma mouche? Voyons, calice. What? Ah si, en bas, c'est qu'ils l'ont tué. On a beaucoup à détruire. Semer la police, tabarnak.
Ça, c'est du niaisage. Putain! My readings indicate there are still more Ursa miners in the caves, Crypto. Take them out of commission by any means necessary. Miss Jess, comment ça va, Jess? J'ai parlé, hein, tu me répondais pas. T'es plus mon ami. Thank you.
If you can stop it, you'll have cut off the Plisk's energy supply. Now get out there and cancel that delivery. Oh, yeah! La roulette russe. Attends pour bavarder, mets-toi au travail. J'ai besoin d'informations sérieusement sur Moonbase Solaris. D'accord. Moonbase Solaris se compose de deux zones principales, la base Blinks et la base des cosmonautes. Comme deux lobes d'une même esprit tordu. Et qu'est-ce que c'est sur Bliss, hormis qu'ils sont laids comme le péché? C'est une race particulièrement repoussante, en effet, et incroyablement méchant. De plus, ils traitent très mal leurs ouvriers. Ils ont un tempérament phénoménalement colérique. Toute ressemblance avec un interlocuteur actuel est totalement une forfuite. Et les cosmonautes? Eh bien, ce sont des humains, bien sûr, la crème des citoyens soviétiques toutefois. Ils pensent que leur dirigeant ici représente une sorte de cabale obscure de Kremlin. Bien sûr, les Bliss les manipulent comme des marionnettes sans même s'en rendre compte et sans fier. S'ils savaient comment les Bliss les utilisent, ils seraient furieux s'ils savaient. Ils diraient que ce serait grand d'envoyer un petit messager aux cosmonautes pour les réveiller. Pas une mauvaise idée. Une foule semble se rassembler à l'intérieur des bases de cosmonautes. Tu allais voir ce qui se passe. Je pense qu'il est temps que la marionnette rencontre les maîtres. Oh yeah, j'ai compris. Retourne les cosmonautes quand le Bliss. Ça va être drôle. Très drôle. Très, très drôle.
Utiliser les scans orbitales pour localiser. Yuri said to be meeting at Cosmonaut Base so we could be going to speech together. What if he is no longer finding me attractive? Oh, Blin, Mama was right. I never should have been letting myself go. That was being so funny last night when Vanya was running out of airlock and sticking bare buttocks against Dome. Talk about full moon, eh? Et voilà. Of course, ce truc allumé. Get unstuck from glass, but worth it. Bonjour Solaris. Bonjour Solaris. Quelle foule. Vous êtes tous splendides. Sérieusement, ne laissez pas tomber le savon dans la douche, les gars. Jamais, Jess. Dégage, nous attendons les nouvelles du camarade Cosmo Leonid. There is moon, there is moon. Everywhere is moon, moon, moon. Party leaders say all workers are being equal, but I am working in disgusting mines while mighty Commander Leonid is spending all day in Biodome Herb Garden. Politicians, I spit on them! Tui! Hey, Dimitri, are you... Faithful Commander Leonid is always being at Herb Garden in Biodome. Party leaders say all workers are being equal. But I am working in disgusting mines while mighty Commander Leonid is spending all day in disgusting fumes for mining. Disgusting fumes for mining. Faithful Commander Leonid is always being at Earth Garden in Biodome before a big speech. I'm wondering why. Party leaders say all workers are being equal. Disgusting fumes. Party leaders say all workers. Faithful Commander Leonid is always being at Herb Garden in Biodome before a big speech. I am wondering. Disgusting fumes from mining site are making me sick as dog. Despite fact there's no air on moon. I need to spend more time in clean air of Biodome, like Commander Leonid. Ce truc est allumé. Bonjour, camarade cosmonaute Leonid. Pourquoi devons-nous passer toutes ces heures au travail si dur?
Vous appelez ça du travail? Oh, pitié, vous soulevez des pierres dans la sixième de la pesanteur terrestre. Ce sont des vacances. Leonid, pourquoi avons-nous dû quitter un pays bien animé pour venir ici? C'est pire que le 25 juin en février. C'est bien ce que je dis. Pas d'air, pas de filles. L'endroit craint, et ça, c'est la faute de Bliss. C'est vrai, Leonid. C'est ce que nous pensons tous. Leonid, pourquoi ne voyons-nous plus jamais notre bien-aimé premier ministre Melekhenkov? Il vient souvent nous visiter pour des opérations surprises de photos de vacances. La mission accomplie, celle-là est drôle. Melekhenkov? Oh, il travaille juste avec les Bliss pour subjuguer toute notre société. Et alors, il est juste comme les stars. Au moins, les navettes lunaires sont à l'heure. Quoi? Attendez, vous n'avez même pas... Camarade Leonid, pourquoi on ne nous autorise pas à aller dans la zone? Qu'est-ce qu'il nous avait caché? Parce que vous allez là-haut, vous aussi découvrez que les Bliss sont en fait une bande de homards géants venus de l'espace. Les homards géants de l'espace, tu es un excellent comédien, camarade. Je ne plaisante pas, ils comptent sur vous pour être trop idiots pour se remarquer. Vous ne devez pas leur faire confiance. Ah, camarade Lenoff, quelle preuve as-tu que nous devons nous méfier des Bliss? Alors, ça vous dirait une révolution? On a déjà eu deux, ça suffit pour un siècle. On a de la vodka gratuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Espèce de crétin, complaisant d'obsidieux alcooliques. Excusez. Vous donnez une émaillement, une question d'un autre. En vivant vos vies, morts, nous pathétiques. Dans l'endroit inutile, dénué de tout intérêt que votre minable petite planète est offrir. Vous êtes des blagues mondiales? Non, vous êtes une blague cosmique. Qui crache des poulets? On ne doit pas supporter ce traitement. J'espère qu'il faut pas tout courir, chercher les hommes, parce que là, je vais me trouver niaiseux. Ah ben, tabarnak, c'est ça. Disgusting fumes from mining site are making me sick as dog, despite fact there's no air on moon. I need to spend more time in clean air of biodome, like Commander Leonid. Fed up with this place. I can't hate. These so-called prince
decibels to a race of the giant space crabs from Mars. It's the oldest cliche in the book. Oh, I am not fit to be a Soviet hero. Et qu'elle a été un peu occupée, vous savez, enfin la fête des Méditerranéens. Tout son voyage de 15 semaines avec les Chariots de Dallas Cowboys. Les Chariots de Dallas, tu te moques de nous? Pendant que nous nous sommes coincés dans une base lunaire unisexe. Mais camarades, pourquoi ne nous autorise pas à aller dans la zone nord-est ici? Qu'est-ce qui vous empêche de cacher tout ça? Parce que Mikhailov pense que vous êtes trop naïve et trop stupide pour aller vers là-bas sans vous perdre. Voilà pourquoi. Yves, d'accord, mais stupide? Oh my god! Nous ne pouvons plus faire confiance au premier ministre Milenkov. Il n'y a pas de Milenkov pour ses enfants. Les Bliss pensent que vous êtes une bande de chrétiens aussi. Les Bliskovitch aussi? Mais ils nous disent toujours que l'Union soviétique va diriger le monde. Et Lenin, quelle preuve as-tu pour nous avant de nous méfier des Bliskovitch? Des preuves? Ils contrôlent vos esprits! Je pense que Kamala Kosmodian doit trop de Riverdale. Ils ont pris le contrôle de tout vos gouvernements entiers. Lionel regarde peut-être trop de télévision américaine. Ce sont des foutus hommes géants venus de l'espace. Nous venons les effets psychologiques durables des voyages spatiaux, pauvre Lionel. Et vous prennent. Ils prennent votre vodka. What? Ça nous traîne, nous pouvons supporter tout le reste, mais seulement si nous avons de la vodka. Sans la vodka, c'est déjà 200 ans que la Russie serait une démocratie. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Rien n'est gratuit. Ouais, donne-moi de la vodka ou donnez-moi à la mort. Ouais, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les Bliskovitch? Mauvaise nouvelle pour les Bliskovitch. Ça, c'est l'esprit maintenant. Allez-y, trouvez les Bliss et tuez ces foutus crabes. Pour le vodka!
yes. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Destroy All Human 2 Reprobye live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!